t'en penses quoi, tiens, de la compo de Nagelsmann, là, je viens de la rappeler, là? Bah, c'est celle que Nagelsmann a trouvée pendant la victoire contre l'équipe de France. Il part du principe qu'il n'a pas le temps de faire beaucoup d'essais. Il élimine les égos des uns et des autres. Donc les joueurs du moment qui ont performé, il les a gardés. Il a éliminé tous ceux qui, au-delà de leur statut, n'étaient pas performants. Donc à part de ce moment-là, c'est tout à fait logique. Ben moi, j'arrive à suivre sur 10 joueurs sur 11. C'est déjà énorme. Mais c'est l'utilisation. Après, je vais voir un petit peu de quelle façon... L'utilisation de Gundogan, 9,5 là. Ben, il est derrière Havertz, c'est un vrai problème en fait, disons-le très clairement. Gundogan a été choisi comme capitaine de la Mannschaft depuis beaucoup de temps pour des raisons qui ne sont pas forcément sportives, qui sont des raisons politiques, c'est-à-dire dans les logiques d'intégration, dans une Allemagne qui se pose beaucoup de questions en ce moment. Gundogan, très rapidement, la presse sportive allemande s'est posé la question de savoir ce que faisait Gundogan sur le terrain dans ce système de jeu, puisque personne ne lui fait de passe finalement en position de numéro 10. Puisqu'on a un véritable quarterback, c'est Toni Kroos. On a deux numéro 10 ou des milieux décalés qui sont Wirtz et Musiala. Et il y a un grand perdant en fait dans ces schémas de jeu, c'est Gundogan justement, qui ne brille pas comme il brille à Barcelone. Donc ça, c'est le vrai l'idée, problème. Parce que bon, après, bonne, moyenne ou mauvaise, on est tellement passionné, on essaie de comprendre les idées de celui qui décide. Est-ce que ça ne serait pas justement, lui qui est la responsabilité de déclencher le pressing pour son équipe, et les deux 10 talentueux pour justement construire les attaques, ben, il y en a un à droite et un à gauche, et moi je les trouve bons tous les deux. Ben oui, mais ils sont un peu jeunes, le problème. Alors, moi, Gundogan, je comprends. Le problème, c'est que l'Allemagne a à peu près 60% de possession de balles. Et si tu n'arrives pas à trouver Gundogan, qui est théoriquement maintenant celui qui doit faire le jeu, le pressing ou le contre-pressing, je comprends, mais c'est quand tu n'as pas le ballon. Si la majorité du temps, tu as le ballon, ça devient un petit peu compliqué quand même. Donc c'est pour ça qu'il y a des alternatives, en mettant un deuxième attaquant, en faisant rentrer Leroy Sané et en recentrant soit Musiala, soit Florian Wirtz, en fonction des schémas choisis par Nagelsmann. Mais en tout cas, c'est le joueur qui pose question. Alors, je vais regarder évidemment, et toi aussi, beaucoup, beaucoup de choses, le plus de choses possible, mais je vais surtout regarder un petit peu ce que fait ce joueur-là à ce poste-là. Et bien justement, et un peu plus haut, donc c'est Havertz qui va jouer finalement 9, donc Nagelsmann, il ne veut pas jouer avec un vrai 9, pas avec Füllkrug par exemple. Bah, il a essayé plusieurs fois avec Füllkrug. Il estime, il part du principe que Kai Havertz a réussi une saison extraordinaire en première ligue et que Kai Havertz est le titulaire de la sélection allemande. Est-ce que ça va être comme ça pendant tout le tournoi? Si ça tourne chafouin, je suis pas persuadé que Kai Havertz ne saute pas. Donc il y a Füllkrug évidemment, il y a le Undav qui avait une superbe saison avec Stuttgart en se qualifiant pour la Ligue des Champions, qui serait un deuxième attaquant. Donc on a des alternatives en équipe d'Allemagne. En tout cas, le 11 de départ, c'est celui qui n'a pas déçu, notamment contre la France. Alors, autre poste, hein, on part de l'autre côté du terrain, c'est Neuer. Alors, je sais qu'on en parle beaucoup hein, ces derniers jours, ces dernières semaines. Il est la cible de nombreuses critiques ces derniers temps. Son numéro 2, bah, c'est André Ter Stegen qui est au Barça. Il y a vraiment match entre les deux, selon toi, ou pas, Polo? Non. En fait, Candy, tout le monde regarde les performances de Manuel Neuer, mais tout le monde oublie plusieurs choses. La première, c'est que c'est la presse allemande qui met en avant le débat systématiquement à partir du moment où Manuel Neuer fait une mauvaise prestation. Ce fut le cas contre la Grèce en première mi-temps. Il a fait une boulette extraordinaire, mais je le dis toujours, tout le monde oublie que 5 minutes avant, il fait une double parade de classe mondiale et personne n'en parle. Comme si la notion de classe mondiale était naturelle pour Manuel Neuer. À tous les matchs, il devait montrer qu'il était le meilleur gardien du monde. La deuxième chose, c'est que Marc-André Ter Stegen a aujourd'hui 14 sélections avec la Nationalmannschaft. Si quelqu'un peut me dire à quel moment il a été bon avec la Nationalmannschaft, je veux bien. Troisième paramètre, n'oublions pas que les duels allemands, ce qu'on appelle la T-Frage, la Torwart-Frage ou la Torhüter-Frage, la question du gardien est un vieux débat allemand qu'on connaît depuis en gros les années 80. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des duels de bons gardiens, qui doit être numéro 1, qui doit être numéro 2. Je constate que tous les sélectionneurs qui passent laissent Manuel Neuer numéro 1. Il doit bien y avoir une raison quand même. Et c'est pour ça que moi, Manuel Neuer me semble logique et indiscutable au poste de gardien en sélection allemande.
Alors, faut qu'on parle aussi du sélectionneur, hein, Julian Nagelsmann. Alors, avec la Mannschaft, c'est 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites. On se souvient quand même que sa continuité à la tête de la sélection, elle était encore, c'était encore une inconnue il y a 2 mois seulement. Il a été prolongé en avril dernier jusqu'au Mondial 2026. Est-ce que c'est le bon choix pour toi ou est-ce qu'il continue de diviser depuis qu'il est sélectionneur? Alors, les résultats, c'est à prendre avec des pincettes puisque c'est des matchs de préparation en réalité. Donc, il est surtout en train de tester. Mais est-ce qu'il est, je sais pas moi, décrié? Est-ce qu'il divise ou pas Nagelsmann? Bah, encore une fois, il y a eu la victoire contre l'équipe de France, qui a été ensuite ils ont enchaîné avec une victoire contre les Pays-Bas. Donc tout ça, il y a eu le 0-0 contre l'Ukraine récemment, où l'Ukraine a fait un bloc bas et a mis le bus, et il y a juste eu un problème d'efficacité côté allemand. Et il y a eu un match très moyen, mais gagné par la sélection allemande contre la Grèce, qui est d'ailleurs la volonté de gagner a été saluée par la presse allemande. Nagelsmann, de toute façon, va diviser de par son jeune âge. Mais tout le monde oublie le duo qu'il forme avec son directeur sportif, qui est Rudi Völler, qui est un vieux de la vieille, on va dire ça comme ça, que Roland connaît très bien. C'est le feu et la glace, hein. C'est ça, ouais. Enfin, je sais pas qui est le feu et qui est la glace quand tu connais un petit peu Rudi Völler. Je lisais Sportbild tout à l'heure, il disait en gros, Völler, c'est le calme de la bande et Nagelsmann le vénère. Völler, je le connais vénère aussi, hein. C'est pour ça que. Deux secondes en ce qui concerne le poste de gardien. Ben, moi, je mets ce qui se passe en Allemagne avec Neuer. Ben, un petit peu ce qui s'est passé au Real Madrid avec Courtois, et on a pu voir comment ça a terminé, même si on ne retrouve pas Courtois en équipe nationale. Ouais. Donc il y a des choses qui sont inexplicables, mais moi je pense sincèrement que si l'Allemagne gagne 7 euros, et ce n'est pas impossible du tout, ça sera parce que ce gardien-là va faire un malheur.